que tu... Dieu de papa Florian, là, il a trop fait dans ma vie. Trop. Comme quoi, faut nous dire... Un vendredi, je suis partie vendre. À mon retour, il vient trouver ma fille. Elle est chez son papa à Petit Bassam. De Petit Bassam à commencé quartier d'Ivo. Je la demande qui t'a envoyé ici. Elle me dit que non, que c'est un tonton qui l'a envoyé. Il dit, mais le tonton là, tu le connais? Que oui. Moi, je le connais. Elle me dit que non, que je ne la connais pas. Mais c'est un tonton. Il dit quand même, dis-moi un tonton. Hein. Peut-être je le connais, mais dit que non, que moi je ne connais pas le tonton. Donc j'ai su que c'est Dieu de papa Florian qui a accompagné ma fille jusqu'à chez moi. Elle a 6 ans. 6 ans. 6 ans. Quitter Petit Bassam. Petit Bassam jusqu'à Koumassi. Koumassi, quartier d'Ivo, vers au bord de l'eau. Ça, c'est un grand témoignage. Donc c'est Dieu de papa Florian qui a accompagné mon enfant jusqu'à là-bas. Ça, c'est un grand témoignage. Ok, sois béni. Le témoignage qui m'a marqué, je suis venu voir papa. Oui. Parce que quand je vais dans un coin, on me fait rentrer. Quand je vais dans. Et je suis venu voir papa. Et dans la semaine, j'ai bu le lait. Et j'ai une cousine qui m'a appelé qu'on a besoin d'une dame pour surveiller les enfants. La première fois, bon, vraiment, je ne me sentais pas bien. J'étais malade. Tu avais quoi? J'étais malade, tête en fait. Donc, la dame m'a dit de venir voir l'homme de tête. Un mal de tête qui finissait pas, quoi? Jamais. Donc vraiment, je suis venue avec le lait, le sang de Jésus, vraiment. Jusqu'aujourd'hui, ça va. Ça va, ça a disparu. Ok, sois béni. Ah, dis-moi. Mais tu avais quoi et puis elle t'a envoyé? Je suis malade. Malade? Oui. Tu avais quelle maladie? La face accident, après ça, je ne me sens pas bien. Ah, depuis ton accident, tu ne te sens pas bien. Et quand tu es venue voir l'homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est bien. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Donc ta santé, tu as retrouvé. Oui, avant je ne pouvais pas marcher. Ah bon, avant tu ne pouvais pas marcher. Maintenant tu marches un peu. Oui. Okay. Peggy. Oui, d'où on vient? Ben, on vient de la France, de Noisy-le-Grand. C'est reine de Noisy-le-Grand. Ah, reine de Noisy-le-Grand, elle a connu papa Florian depuis la France, oui. Je rappelle. Oui. Oui, mais dis-moi, comment tu as fait puis tu as connu papa Florian depuis la France? Dis-moi. Par ma soeur, ma grande soeur qui est là. Ah, celle-là. Ah, ok, sois béni encore. Amen. Ok. Et puis, papa Florian, tu as fait la prière, juste, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, beaucoup de choses. Oui, j'avais une pointe dans mon pied, et puis en songe, elle est sortie de mon pied. Ah, il y avait une pointe dans le pied? Ouais. Ah, c'est une délivrance. Ouais, j'ai eu la délivrance de papa Florian, et j'ai décidé de venir prendre cette grâce auprès de lui aujourd'hui. Auprès de lui, ok, ouais. Sois béni. Et elle, c'est votre fille? Oui, c'est ma bonjour, fille. Bonjour, regarde la caméra. Marie, regarde la caméra. Dis bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a emmené pour la première fois? Bon, en fait, pour la première fois, j'ai mon fils qui avait été initié à la sorcellerie. Oui. Et bon, moi, je ne savais pas. Oui. Maintenant, je suis quitté à Gagnoir avec une somme de 4 millions. Oui. Je voulais faire mes affaires et puis bon, aller en Europe. Oh, l'enfant était là et initié à la sorcellerie, c'est lui qui me créait tous les problèmes. Oui. Ça fait que j'ai dilapidé tout mon argent, je n'ai pas pu faire quelque chose. Tu n'as pas pu faire quelque chose avec les 4 millions. Avec les 4 millions. Tout est parti en fumée. Tout est parti. Donc, au début, j'ai connu papa Florian. Bon, présentement, je n'ai pas d'argent, mais j'ai la paix du cœur, je me retrouve, bon, ça va. Et ton fils? Bon, mon fils, c'est ici même, on a délivré, il a dit plein de choses ici. Depuis ce temps, bon, ça va. Ça va maintenant? Ça va. Oui. C'était mon neveu, il est venu me voir à la maison un matin. Oui. Il est venu dire, ah, déjà, j'ai tout perdu. Il dit, ça a perdu quoi? Et puis, il me dit, il a perdu tous ses paquets, que lui, il ne va plus travailler, qu'ils vont les renvoyer. Oui. Donc, lui, toujours, je n'ai pas de. Papa Florian, il ne m'écoute pas. Quand il prend son argent, il s'en va boire. Maintenant, quand il est venu me voir, il dit, ah, si tu me dis la vérité, si tu dis ce que tu as fait, oui. Il peut te donner, il peut t'aider. Et puis, non, lui, il n'a rien fait, qu'ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Il dit, tu es monté dans le bus. Il dit, non. Il dit, d'accord, si tu me dis la vérité. Bonjour. Je peux t'aider. Maintenant, il dit, d'accord, qu'il va te dire la vérité. Il dit, non, qu'il allait boire ses amis. Ils l'ont drogué. Il a fait 3 jours dans le sommeil. Trois jours de sommeil, maintenant il se réveille, il n'a plus rien, tous ses papiers, tout portable, tout est parti. Ça dit, ah, d'accord, quand tu m'as dit la vérité, je peux t'aider maintenant. J'ai pris le sang de Jésus, et puis j'ai dit, le Dieu ne peut pas plus rien faire, de sorte qu'il retrouve ses papiers pour aller travailler. Oui. Donc il a pris, il est porté, il a mis sur lui, et puis il est parti. Il est allé, hier soir il est venu, il a retrouvé tous ses papiers. Donc, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.